さえ渡り別の夜へ誘う冷めた都会の鼓動を浴びるクラクション孤独Que s'est-il passé? Où suis-je? Susano, espèce de monstre! Kusanagi, tu t'es enfin réveillé. La vraie Kaede? C'est toi qui... Réponds-moi, pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Il nous reste 3 jours et tout sera terminé. Kaede? 3 jours avant que le Japon ne soit dans l'obscurité pour donner naissance à un nouveau monde. C'est ridicule, la mission de Kushinada est de protéger le pays. Justement, je le protège en le recréant meilleur qu'il n'est. N'importe quoi. Est-ce que tu réalises que tu es en train de tout détruire? C'est une étape indispensable pour sa renaissance. Je ne te comprends pas. Tu es folle. Tu agis inconsidérément, égoïstement. Je mènerai cette mission jusqu'au bout. Tu vas bientôt comprendre la différence entre le bien et le mal. Tu ne me dis pas toute la vérité. Quelles sont tes ambitions profondes? Je vais devoir me transformer. Comment? Je consacre mon corps à Susanoo. J'ai besoin de tes noyaux, Kusanagi. Non, arrête, tu... Il est écrit que tout être doit retourner à l'état végétal. Nous resterons ensemble, Kusanagi, à tout jamais. Charger tout ça dans le bateau. Oui, mais vas-y doucement, garde de l'énergie pour la suite. Il faut qu'on récupère le maximum de groupes électrogènes si l'on veut que les travaux de Matsudaira aboutissent. Et on y arrivera. Tu n'as pratiquement pas dormi, tu ne vas pas tenir à ce rythme-là. Non, ça va, je suis jeune, je peux tenir. Quand je tomberai dans les pommes, on avisera. Ah, c'est malin. La princesse Kushinada a réussi à éliminer les Aragami car elle est morte de surmenage. Yaigashi, tu as parfois un drôle d'humour. Oui, j'aurais mieux fait de me taire. Là, tu as raison. Tu la fermes maintenant et tu te comportes en homme fort. Tu nous aides à porter tout ça dans le bateau. Non, c'est mais compris, arrête, Fédéon. Arrête, mais... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu l'impression... Appel à la population. Oh. Vous êtes priés d'évacuer ce quartier. Vite, on se planque. Eau, électricité, gaz et téléphone ont été coupés. Vous êtes priés de rejoindre les centres de secours situés sur les collines avoisinantes. Je répète, vous devez quitter Tokyo, c'est un ordre de l'armée. Vous devez quitter Tokyo, je répète, vous devez quitter Tokyo.
Ah, dire que j'étais promu à un brillant avenir et me voilà devenu un fugitif recherché par la police. Ne t'en plains pas quand on voit ce qu'ils font au gouvernement. Momiji, j'espère que tu ne songes pas à retourner voir ces gens-là pour te sacrifier. Non, sois sans crainte. On a 3 jours pour trouver une solution. Ah, je voulais te l'entendre dire. Ah, bon sang, on va pas se laisser faire. Nous transformer en légumes? Non, mais on est des êtres humains. Pourquoi tu me regardes en souriant bêtement? Ne le prends pas mal, j'admire tout simplement ta force de caractère. Cet antagonisme avec ton côté féminin te donne un charme fou. Tu vas la boucler? J'en ai marre d'entendre tes inepties! Calmez-vous, c'est pas le moment de se bagarrer, au contraire, on doit se serrer les coudes. On n'a que 3 jours et on ne sait toujours pas comment on va s'en sortir. 3 jours. Et vous n'avez toujours pas retrouvé Kushinada. La police de Tokyo et des environs a établi des barrages sur toutes les routes, mais vu la panique actuelle... Oui. Nous sommes bloqués, nous n'avons pas les moyens de lutter. Kunikida le sait, je ne crois pas que son comportement soit uniquement dû au fait que nous ayons songé à sacrifier Kushinada. Il doit avoir une idée. Espérons-le, mais il est attaché à cette petite comme à sa propre fille. Vous pensez... Comment se passe l'évacuation des villes? Cela avance. Les grandes villes sont presque vides. On n'a jamais connu un pareil exode, même pendant la guerre. Des problèmes logistiques apparaissent néanmoins. Les gens ont tout laissé derrière eux. Il faut les ravitailler en eau, nourriture. Mais le plus important, c'est de les tenir informés de la situation. Sinon, des troubles vont éclater. Ils ont besoin d'explications au sujet de ces plantes géantes. La rumeur court déjà. On raconte partout que le Japon va disparaître dans 3 jours. Comment sont-ils au courant? Des astronomes amateurs ont observé le changement de trajectoire de la Lune et donc le passage de l'éclipse sur le Japon. Et par les temps qui courent, il est dangereux de laisser la population dans l'ignorance. À mon avis, vous devriez faire une déclaration officielle, monsieur le Premier ministre. Kunikida, où êtes-vous? Que préparez-vous? Hé! Vous vous croyez où? J'en crois pas mes yeux! J'ai accepté de vous filer un coup de main pour libérer Momiji, mais je n'apprécie guère que vous déposiez vos ordures chez moi! Calme-toi, allez, c'est provisoire. Regarde, je t'invite à déguster une bonne soupe en ma compagnie. Non, merci! Oh non, ça brûle! Quel idiot. Sakura, es-tu au courant de l'éventuelle intervention américaine? Bah, pour l'instant, la Maison Blanche nous observe, il n'est question de rien. Si le Japon en fait la demande auprès du Conseil de sécurité de l'ONU, il risque de passer à l'action. Le gouvernement japonais aura du mal à dévoiler la vérité. Oui, ils n'auront aucune explication rationnelle à fournir. Où en êtes-vous sur la pulsation artificielle? Je vais vous montrer ça. La surface de ce morceau de racine en sort fortifiée. On ne peut plus détruire sa structure interne. J'ai réussi à reproduire fidèlement la pulsation de Momiji, mais par contre... Il vous manque peut-être... un peu de jus. Oui, il nous faudrait plus de puissance. D'accord, mais où pouvons-nous la trouver? Et si on se jetait sur Momiji pour l'étrangler? C'est une solution qui au moins est radicale. Dans le mille... Vous devez poursuivre les analyses sur mon pouvoir de Kushinada. C'est dingue ce que t'as changé. Matsudaira, je suis prête à accepter toutes les expériences. Eh bien, on peut dire que tu es rayonnante depuis que tu as la certitude que Kusanagi est en vie. Oui, c'est vrai, je ne me suis jamais sentie aussi prête à affronter les difficultés. Bravo, Momiji. Oui, nous sommes fiers de toi. Et par l'intermédiaire de ton noyau, t'as pu lui dire que tu l'aimais? Non, mais je suis si sûre de cet amour, j'ai tellement envie de le revoir. J'ai avant tout un devoir à accomplir si je veux me montrer digne de sa personne. Oh, Momiji. Il est là. Qui ça? Là.
Je ne comprends pas. Non, je ne comprends vraiment pas la façon d'agir de Kushinada. Hé, t'es complètement inconscient de venir jusqu'ici? Pourquoi? Non! Yaegashi! Non, pas lui! C'est toi, Koyume. Tu vas bien, j'espère. Yaegashi! Ça suffit! Dis-nous franchement quelles sont tes intentions! Vous empruntez Kushinada. Quoi? Momiji! Momiji! Où m'emmenez-vous? Dites-moi au moins ce que vous comptez faire. Quel est son véritable but? Je veux connaître la place, le rôle de Kushinada, la soi-disant femme du grand maître Susanoo, notre souverain. Si seulement je le savais. Vous êtes pourtant de connivence tous les deux. Tout ce que vous voulez, c'est détruire ce pays. Oui, c'est du moins mon désir le plus profond. Détruire les êtres humains et créer le royaume des Aragami. Mais j'ai bien peur que Kushinada... Les Aragami eux-mêmes échappent à mon contrôle. Que se passe-t-il? Dites-le-moi! Nous allons régler ça, tout de suite. Des Aragami! Des Aragami partout au Japon! Monsieur, les stocks de munitions de l'armée sont vides et sans armes spécifiques, nos hommes ne peuvent rien contre les Aragami. Messieurs, une communication importante. En provenance du détachement basé à Osaka, l'Aragami qui a ravagé la gare a été aspiré par une plante. En êtes-vous sûr? Oui, nous avons des images. Le phénomène ne se généralise. Fait-il que vos plans... Kushinada nous a trahis, voilà pourquoi. Mais alors, où veulent-ils en venir? Maître, vous êtes... Susanoo. Kaede, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux des explications. Vous avez le culot de perturber Maître Susanoo et de détruire les Aragami. Kaede, je t'en prie, réagis! Vous voilà, répondez-moi. Je suis capable de tuer votre sœur sous l'œil de Susanoo si vous ne me dites pas la vérité. Susanoo est maître de ses actes. Tout se déroule comme lui l'a toujours souhaité. Comment ça? Ça veut dire quoi, Kaede? Explique-nous. Le seul but de Maître Susanoo est de revenir aux temps anciens. Il est temps d'effectuer le Matsuri. Le Matsuri? Oui, j'en ai eu la révélation et j'ai compris quel était mon destin. La mission de Kushinada est bien de protéger le Japon en faisant de cette terre un tapis de verdure. Tu nous as dit que le Japon était en pleurs, tu te souviens, Kaede? Les hommes sont certes responsables de la dégradation de la nature, mais est-ce pour autant qu'il faille les éliminer complètement? Non, il y a un malentendu. Nous ne voulons pas faire disparaître la race humaine. Nous lui offrons une autre chance grâce à cette cérémonie, comme aux temps anciens. Un fait de notre histoire que j'ignore. À l'époque où notre pays n'était formé que par une toute petite bande de terre, une île étroite où le sol était pauvre, les moyens de subsistance étaient limités. La malnutrition était un problème crucial. Les mages se sont donc rassemblés pour effectuer le Matsuri, la cérémonie de la pluie des noyaux. Ils firent surgir des plantes géantes divines qui offrirent aux hommes des récoltes abondantes. Ces plantes étaient donc bienfaisantes? En effet, elles ont permis à des millions de gens de se nourrir.
Les mages continuèrent à pratiquer le Matsuri pour contrôler leur développement. Mais je ne comprends pas! Quel est le lien qui existe entre le Matsuri, Kushinada et Susanoo? Pour obtenir l'intervention surnaturelle de ces plantes, il leur a fallu faire appel à un dieu. Il s'agit de Susanoo. Oui. Lui seul avait le pouvoir d'éparpiller les noyaux. Les êtres humains et les animaux touchés par ces noyaux se transformaient eux-mêmes en plantes divines. Il fallait contrôler ce pouvoir. Vous mentez! Susanoo serait sous le contrôle d'êtres humains! C'est notre maître à tous! Pourtant, c'est la vérité, et pour tout vous dire, c'est le clan Kushinada qui orchestre les pouvoirs de Susanoo. Non! Arrêtez, tout ça n'est que mensonge! Comment expliquez-vous que les Aragami perdent leur pouvoir à la mort de Kushinada? Celui qui est né de Susanoo doit retourner auprès de Susanoo. Nous devons nous consacrer au Matsuri pour faire renaître le Japon. Voilà pourquoi vous avez ressuscité Kusanagi! Que lui est-il arrivé? Il est en vie! Admettons que les Kushinada nous aient créés, j'admets que notre vie dépend de la leur, mais cela ne m'explique pas en quoi Susanoo a besoin de vos services. Notre maître détient le pouvoir absolu sur ses noyaux. Parce que je suis la prêtresse vestale qui organise le Matsuri. Une vestale? Vous êtes donc au-dessus du maître, vous contrôlez le début et la fin de la cérémonie de la pluie des noyaux? Oui, et je dois consacrer ma vie à Susanoo. Une fois notre œuvre accomplie, nous nous endormirons. Et le Japon, tapissé de verdure, se réveillera et oubliera ses longues années d'agonie. Je ne suis donc qu'un pion parmi tant d'autres, un simple colporteur de noyaux. Pas du tout, vous êtes une pièce indispensable. Assez ! La création du royaume des Aragami n'était qu'un leurre, je n'ai plus rien à perdre, je peux la tuer ! Crève ! Kusanagi, tu es en vie! Momiji, tu vas bien? Oui, je suis tellement contente de te revoir! Kaede, je ne comprends toujours pas! Que veux-tu faire exactement? Quel est ton rôle dans cette histoire? Quel est le mien? Ne cherche pas à comprendre, tu fais partie des êtres inférieurs. Je suis peut-être naïve, mais je trouve tes ambitions illogiques. En quoi le Matsuri est-il nécessaire? Pourquoi doit-on sacrifier des vies humaines? Il est hors de question que j'approuve tes projets de destruction! Je ne suis pas comme toi! Je n'abandonnerai pas les gens que j'aime et grâce à qui je suis sur cette terre! Non, Kaede, j'en suis incapable! C'est la mission de Kushinada. Jamais! Jamais, tu as compris? Je refuse! Je suis peut-être dans l'erreur, mais tant pis, je ferai tout pour t'empêcher d'agir ainsi! On ne peut pas reculer, franchement, que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Mais après tout, moi aussi je suis une Kushinada. Moi aussi je possède des pouvoirs. Il doit y avoir un moyen. C'est la fusion des pulsations. C'est étrange. L'accord de leur force crée une mélodie. C'est ça le fameux pouvoir des Kushinada, cette chaleur et cette musique. Oh ! Mais qu'est-ce qu'il vous arrive ? Tenez bon, vous allez vous en sortir. Kusanagi, aide-moi ! Non, pas ça ! Susanoo ! Est-ce que ça va? Oui, ne restons pas là. Cramponne-toi de toutes tes forces. Oh!
Messieurs, j'apprends à l'instant qu'un bulbe gigantesque vient de surgir à Yoyogi. Dis, comment se fait-il que mon noyau se soit détaché? Il devait me revenir un jour. Ton pouvoir de Kushinada m'a sauvé la vie. Oh. Vite, chef, vous m'entendez? Prenez les informations à la télé. Qu'y a-t-il, Takeuchi? Vous verrez, dépêchez-vous. Nous vous rappelons le communiqué du gouvernement japonais. Dans 48 heures exactement aura lieu un événement qui risque de bouleverser l'avenir de notre pays. Il s'agit d'une éclipse solaire qui perturbera l'équilibre écologique. Nous devons nous attendre à toutes sortes de catastrophes naturelles qui pourront entraîner la mort de milliers de Japonais. Il existe cependant une personne capable d'enrayer ce phénomène. Il s'agit de Mademoiselle Momiji Fujimiya. Elle seule peut, par son sacrifice, sauver notre nation. Oh non, ils ont osé faire ça!